Bonjour tout le monde. Oh là là, on a eu des dons en plus pendant l'intro. Tu la suspense du jam 5. Je perds 30 points par lose et je gagne 10 points. Pas grand chose, beaucoup joué et essayer de sortir petit à petit. C'est ça quand t'as MMR de merde, t'as pas trop le choix. T'es obligé de beaucoup tryhard. Et Zordier aussi qui nous disait que, bien évidemment, la dernière putaclic de Zera était sortie, qui a été très sympa. J'ai pas encore écouté, j'irai souscrire. J'écouterai. Merci en tout cas à vous les potes, j'espère que vous allez bien tout le monde. On est parti, nous sommes mardi. On est mardi, ouais putain, c'est pour ça parce que t'as... je pensais qu'on était mercredi en fait. Il est 19h57 et nous allons pouvoir lancer cette game. Je joue Rek'Sai Jungle, Diamant 3, 60 points, 60, je sais pas, quelque chose comme ça. Et on va essayer de carry la game. Donc en jungle, un rôle que vous avez pas trop l'habitude de me voir. Mais il faut bien changer, il faut bien innover, il faut bien se faire plaisir. Why not, chers amis. On va essayer de faire le taf. Alors sur le petit Rek'Sai, faut que je mette quoi en deuxième? Est-ce que je les touche là? Ah, je les touche à côté. Je les touche, ça va alors. Ok, donc pas du tout expert de Rek'Sai. Je l'ai joué 2-3 fois. Mais ça reste un perso sympa. Ok, on rebump. Ça peut-être... En fait, j'ai été con parce que je pense que tu dois utiliser le bump pour cancel une auto-attaque. Et je j'en suis pas du tout servi ainsi. C'était peut-être un peu con ça quand même. Ok, ils ont pas fait le gromp. Ils ont pas fait le gromp. Donc on a un Azir, on a quoi en top lane? On a un Kennen. Ok, on a une bonne compo. Et on est parti aussi avec une Morgana plus Sivir. Donc plutôt une bonne compo honnêtement en teamfight. Ça va envoyer. Ça va envoyer du assez lourd. Va falloir faire le taf, bien évidemment. Alors salut bro, ça fait un moment que je suis maintenant, t'es vraiment le best pour moi. Je me devais te soutenir comme je peux, coaching comme ça, t'es un génie. Merci énormément Ederlai, ça fait extrêmement plaisir bro. Merci à toi. Merci à toi mon pote. J'ai smite quoi là? Ah non, j'ai smite le groupe, ok, j'étais même pas sûr. Ah mais j'utilise pas le Q en fait. C'est con. C'est con, ça n'utilise pas le Q. Ok, bot, elle est morte, je sais pas comment. What the fuck, you are so bad. Ok, calm down. Don't start to flame, please. Ça va être chiant sinon. Le game n'est pas encore que démarré. Vous pouvez éviter de hard flame. Alors, on va faire ça tranquillement. Oh mais wesh. Vraiment pas fastoche quoi ces botlane. Là je t'avoue que c'est pas facile du tout quoi là. Ok, on essaie de counter un peu de jungle. On va mettre un petit tunnel ici. On essaie de placer les tunnels pour l'instant. On va se back tranquillement. Je sais pas du tout quel smite il faut faire maintenant. Honnêtement en jungle. Oh je l'ai pas vu. My bad. Le bleu, je pense. Tuez-le, tuez-le. Je vous en supplie, tuez-le. Good job. Ok, nice. 2 pour 1. 2 pour 1. Malheureusement, c'est Morgana qui chope l'interruption. Ça reste correct. On va faire ça, je pense. On va faire ça. On va partir sur l'item tanky. Ensuite on fera un black cleaver. Ok, j'ai récupéré aucun des deux kills. C'est pas bien gênant. Tant que ma team en shop, c'est le plus important. Surtout la botlane, ils étaient très mal. Stop le cigare sur Ender. Le smite rouge est pas mal. J'ai pris le bleu parce que le rouge a été nerf, si je dis pas de bêtises. Ah putain, les mecs me ping, ça va être une game. Oh merde, j'aurais peut-être dû lui laisser le kill. J'aurais peut-être dû lui laisser le kill là-dessus, bien joué en tout cas. Attends, je vais aller regarder ce que tu me dis, Captain. Ok, donc plutôt un bon début de game pour l'instant. Ah, ça a été style, ok, my bad, j'ai même pas vu, j'ai même pas fait gaffe. Ok, pour l'instant, honnêtement, on est au bon endroit au bon moment, pas forcément volontairement. Mais ça fait le taf malgré tout.
Ok, au final là je me suis perdu les mecs. Enfin, j'ai fait un move de merde. Ça se lit Pharao. Ah, ok, le V c'est pour ça. Bro, excuse-moi alors Pharao. Désolé, je tâcherai de m'en souvenir. Est-ce qu'on peut vraiment le tuer quoi? Alors juste aller regarder le don que j'avais pas vu. Alors si les rageux veulent que j'utilise leur message, ils ont qu'à faire un don. Continue comme ça. Non, c'est pas le but non plus, tu vois, genre. Ok, nice. Très très bon tout ça. Tu sais, quand tu pourras lire les mails pour le recrutement, tu vas répondre tout le monde. Alors je sais pas comment on va fonctionner, je vous donnerai, parce que pour l'instant on en a eu beaucoup, genre on en a eu 40-50 mails. J'ai mis les chefs modo, on va dire, sur le coup. Et en tout cas, pour l'instant, cette petite game de Rek'Sai se passe bien. Hein. Mais j'essaierai de répondre assez vite, en tout cas, pour tout ce qui est editing et compagnie. J'essaierai de vous donner des infos assez fast, les potes. On va peut-être essayer de gang bot. Alors tu lis que les messages des dons, donc je peux pas dire l'inverse. Non Arcane, c'est juste qu'en gros forcément c'est compliqué en fait de, si quelqu'un a mis 2 ou 5 euros, de ne pas le lire en fait, tu vois. Donc du coup je le lis en priorité, mais ensuite je lis par exemple là, les messages, le camp est réel. Bon, j'essaie de bien camp comme un FDP. Ah ouais, on fight là. Sniping. Nice, ok, 1 pour 1. Je voulais attendre mon ulti en fait. Je peux pas, Zar va rebosser ton français. Je fume. What the fuck, qu'est-ce que vous avez avec ça? Putain, c'est strong Rek'Sai, hein. C'est fort de ouf, hein. Je suis impressionné, hein. Honnêtement, on est pas mal du tout, là, pour l'instant. Je suis en 2-1-4. J'ai été un peu au bon endroit au bon moment. Pas que j'ai vraiment bien joué. Plus une histoire d'être à chaque fois là où il fallait. Ou que les gens m'ont pingé. Je suis pas un très bon... Là, j'ai acheté deux trucs. Je me disais, what the fuck, je crois que j'avais les sous. Je suis pas un très bon jungler. Mais là, ils m'ont donné l'info à chaque fois de... Un petit peu où je devais être. I got air. Je sais pas quand ulti, en fait, avec Rek'Sai. Donc, on part sur l'item tanky. On va partir ensuite sur un couperet noir. Que je trouve pas mal. Ton annonce sur Facebook, tu regardes tes games. Comment ça? C'est quoi le Spotify de Domingo? Domingo playlist. Pas les PV. Si, si, t'aimes est trop fort, là. Jungle, à l'heure actuelle. Il faut le faire. Par contre, il y a 6-5, or que... Ah, bot. Bot s'est mis très bien, quand même. Nice. Ok, go Drake. Can't move. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, on prend un kill malgré tout. Clac une TP. No smite. Oh, j'ai pas de smite, c'est pas terrible. Oh, j'ai utilisé les dégâts bruts du E. J'ai utilisé les dégâts bruts du E justement pour tenter un peu de smite. C'était pas fastoche quand même, hein. Ayet France 69. Il faut l'aimer la France. C'est un bon pays. Pourquoi n'aimes-tu pas la France? Non, putain, bot, ils sont vraiment en difficulté quoi. Ah, je voulais le smite. Ok, ça reste worse. Ah, oh, putain, ça fait mal le Q, hein. Mais non.
Il veut pas back. Ok, moi aussi je vais back, je vais pas grid. Ok, ça se passe pas mal, le heal. La civière est un peu bizarre. Civière est un peu en difficulté en permanence. J'espère que mid ça se passe pas mal. Top, il a dû se remettre pas mal. Go back. Ah, mais il est elle est restée. Elle joue vraiment bizarre. Elle joue vraiment bizarre. On va essayer de carrer peut-être avec Azir. 90 creep 68. Oh, top. Ça peut être trop difficile. Oh, elle est mort. Archi mort là. Elle a pas le burst. LOL le carapateur. LOL le carapateur. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette game? On va partir là-dessus, là-dessus, ok. En fait, il va me manquer 30 gold. Ah non, mais bad. J'avais fait un mauvais calcul. Ouais, c'est un peu chaud là pour l'instant. C'est un peu chaud, je vous cache pas. Vas-y, je vais ulti. Je vais ulti pour essayer d'être mobile un petit peu. Alors. Alors, just for the support, keep going. Wow, 20 euros, merci à toi mon pote en tout cas. Merci Croclico. Croclico le frérot. Subwart, les français quand on a un seul ça va, quand on a plusieurs ça devient embêtant. Mais non, pourquoi vous dites ça? Calmez-vous. C'est normal que t'as pas le truc d'immobilisation de cap solaire, t'es le seul qui lit mon pseudo correctement. Quand je pourrais te mettre un bon don bien gras. Mais non, mais vous êtes pas obligé du tout, bien évidemment. Ça fait très plaisir si... Ok, nice, il donne un kill. C'est pas mal du tout ça. Oh, bon dégât là. Bon dégât. Honnêtement, je fais pas mal le taf, ça m'étonne un peu de faire le taf avec. J'étais pas là au début du stream, t'as reçu mon message Facebook. Jean comme ça, garde l'appel, tu nous fais plaisir. Par contre, je peux pas ma beau vie étudiante. Il n'y a pas de soucis, surtout vous mettez pas en danger. Encore une fois, je le précise. J'ai été un petit peu abandonné là. Faut que je fasse attention parce que juste un coup de dégâts brut et je vais crever. Good job. Sivir est morte encore. Sivir, mais Sivir s'est fait hello boost, c'est pas possible là. Enfin, genre moi je suis nul à chier en jungle mais elle c'est impressionnant ce qu'elle nous fait là. J'avoue que c'est pas facile du tout quoi. Essaye de mettre Azir au max là. Azir est vraiment un perso qui peut carry. Ah ça finit pas. Ok, nice. Azir est vraiment un perso qui carry. J'ai pas une bonne gestion des tunnels, j'en ai peut-être pas assez. Il a dit qu'il ne fume pas. Non, je ne fume pas. C'est un running gag là. Colonel Red, I'm just trying. En fait, ce tunnel-là est vraiment nul à chier. Genre, vraiment nul. Vraiment très très nul, quoi. Ok, il va falloir que je passe sur pas mal de résistance magique. Est-ce qu'on a le Black Cleaver? 30 gold encore. 30 gold, 30 gold. Ok, non, finalement, je vais attendre. Ok, on va acheter ça. On va acheter aussi ça. Et on va revenir directement. Donc on a 2200 HP. Ce qui est très correct. On fait quand même assez mal. On va partir full tank maintenant, je pense. Ils ont un Drake? Non, ils ont pas de Drake. Ok, compliqué de la dive. J'ai pas de résistance magique aussi. 147, hein, n'empêche le Q. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Game viewer. Je ferai une game viewer après, les potes. Pas maintenant, je pense. Elle est horrible.
Nice, bien joué. Ok, je vais assurer le kill. Good job. Nice. Prends beaucoup de kills là-dessus. Very good job. Double kill Kennen. Double kill sur Azir aussi. Very very good. Putain, en tout cas la civière les potes. Est-ce que je vous referai du gameplay Echo? Ouais je pense. Je pense que je vous en ferai. Alors on peut écouter la playlist en être premium. Ouais je crois. Bah, sinon j'aurais pas fait sur Spotify. Le but étant quand même de jouer avec... Et par contre, honnêtement, j'adore Rek'Sai. Hein. Je pense que je jouerai ça hein, désormais quand je vais jouer... Ok, il va vouloir farm. NP. Il take top Kennen. Ok, c'est cool aussi que Kennen soit bon là. Il est parti Rylai first item. I am back in the game. Nice. Ils ont 2 AP. Je pense que je vais partir rapidement sur... sur l'item... le Solari, je pense. Honnêtement... J'espère que Kameto sera fier de moi, je joue que Rek'Sai. Mais c'est rigolo, honnêtement c'est rigolo à jouer. Je trouve pas la playlist, j'ai linké sur Twitter, allez sur Twitter, sur mon Twitter. Et j'ai mis un truc avec, on crée notre playlist avec la Spotify user. Si vous voulez rentrer directement dans Spotify, sinon avec le lien aussi attends. Avec le lien, voilà j'ai oublié ce que je voulais dire. Avec le lien. Elle va encore mourir mais c'est... Ça commence à être chaud là. Je mets pas assez de tunnel en fait. Il est encore mort putain. Et en gros sinon j'ai mis avec le lien direct. Donc normalement vous avez tout ce qu'il faut. Oh oh. C'est de poke un peu au Q. Rien de fou mais toujours ça. Un petit poke, un petit poke. Ok, on se régène pendant ce temps. C'est dur stacker aussi. Ok, un coup de 122, c'est pas dégueu. Ah ouais. My bad. MB. Tout phare. Phare. Ils sont restés tous à 5 HP. Je suis allé un peu trop loin moi. C'était ma faute. Ok, bien joué. Ils reprennent un kill derrière. En fait, le bump, j'ai flash, mais le bump a touché que Lucian. Et à partir de là, c'était une erreur. En gros, ça aurait été bien si tu touchais les 3-4. Tu es sur 13 des 14 kills. Good job, bro. Ouais, 15 des 17 là du coup. Bah, c'est pas mal honnêtement. Nice. Bien joué ça les potes. Ça joue très très bien. Il est deg. Kennen a vraiment bien joué. C'est un peu dommage. En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. J'ai vu la cage. J'ai mis un Q. Genre, j'étais en mode on recule, t'sais, en poke et tout. J'ai vu Kennen go in. J'ai fait ah merde. J'ai vu sur Facebook que ça streamait par ici. Exactement. Le grid auto-attaque sur Olaf. Ouais, j'ai pas. Je crois que j'ai pas pu. Parce qu'en fait, je suis repassé en souterrain. Je pense que ça peut en fait. Ça peut. Ça peut. C'était pas fou. Mais c'est pas mal. Alors, du coup, pour quand Game Over, je ferai pas une savoir aujourd'hui. Mais je ne sais pas encore. Oh, nice vice again. I know that Sivir. Putain, elle est en 1-5-6 la Sivir. Elle joue très greedy en fait. Genre tout à l'heure contre le Lucian, elle a tenté des moves qu'elle pouvait pas tenter en fait. Honnêtement, j'aime beaucoup le gameplay de Rek'Sai. C'est assez fun. T'as de la mobilité et tout. T'as pas mal de mobilité, tu fais quand même mal. Tu peux un peu carry. J'aime bien. Hein? Tu vois, tu vois un peu les gens qui est autour. What? C'est wardé où? Où est-ce que c'est wardé? Nash, 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 nash. Ah non, ça va. Ok, on esquive tranquillement. Oh,
Ok, nice, on prend des petites wards. Je vais aller faire le carapateur ici. On va partir sur beaucoup de résistance magique maintenant. Double AP. C'est pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal du tout contre un double AP de partir sur la résistance magique. Ok, je vais essayer d'aller split top un peu. Sachant que j'ai l'ulti. De toute façon, on pourra pas défendre là. Ok, il y a le Drake dans une minute. Essaye de les brain. Ok, il y a le carapateur. Nice, une minute. Donc on va avoir 20 secondes. On va avoir 20 secondes où on va l'avoir. On va le smite. Parce qu'il est un peu chiant. Attends, on est un peu en 4v5 en tout cas. Enfin, on est carrément 4v5 puisqu'il a déco. Alors, j'essaie d'avoir beaucoup d'XP. J'ai 100 creep. C'est correct. Dommage, j'ai loupé. Si on poke, c'est toujours ça. It's ok, bon après il s'excuse, donc c'est nice. Enfin, il y a des gens, ils s'excusent pas, ils s'en battent les couilles. On va juste faire monter un peu notre fureur. Bon, du coup, si c'est pour repasser en souterrain, ça sert pas à grand chose. Ok, on va mettre un petit tunnel ici, si jamais ça veut nous go. Si jamais ça veut nous go, je pense que ce sera pas mal ce tunnel. Romain0250, pardon. Bienvenue à toi, c'est même du 4v6. Je trouve pas la playlist de Domingos sur le profil Spotify. N'hésitez pas à... sur mon Twitter, normalement vous devriez l'avoir. Je pense qu'ils vont le laisser. Ils sont trop derrière. Ça va être le troisième. Troisième, ça commence à être intéressant. Bon, par contre, les smites, c'est pas mon truc. Ah, ok, j'ai même pas regardé là. Nice, il a pris un kill lui. On court, on court, on court. Bien joué ça. On a trop de résistance. Ils peuvent pas nous fight. J'ai bump un peu trop, je pense pas qu'il allait dash. Ok, bien joué ça. Ah, je peux pas passer le mur là, de l'autre côté. Oh, 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 il est où, il est où? Attends, attends, attends. Elle a voulu me brain. C'était mignon. Eh, c'est trop trop fort avec ça en fait hein. Eh, je main jungle en fait. Tu peux vraiment. Après on a un Azir très très fort. Mais tu peux vraiment carry en fait en jungle hein. C'est assez impressionnant. Après c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, par exemple j'ai joué en solo queue. Je tombais avec un mec, un Rek'Sai, qui honnêtement jouait trop trop bien. Enfin contre un Rek'Sai pardon, qui jouait trop trop bien. Et moi j'avais un Nunu qui était vraiment pas terrible. Et tu vois juste trop la différence en fait entre un bon un mec qui main justement sa lane et un autre. Alors on a eu un nouveau bro. Le Azir est bon, en tout cas la team est très très bonne hein. Je suis pas du tout en train de dire que je carry solo. Je précise. On a eu un nouveau bro, qui c'est? Excuse moi c'est Brino. Brino Lit 1337. Bienvenue à toi mon pote. Bienvenue le frérot. Ok, on va partir là dessus. On va partir là dessus hein. On va pas se faire chier. Du HP, de la ténacité. On est bon. On met un petit ulti pour revenir plus vite. C'est parfait, Nunu ça pue la merde. Mais en fait, un Nunu qui fait pas de camp, c'est chiant, tu vois. Et en gros, lui, enfin, pas de camp, qui faisait aucun objectif, c'était un peu chiant. Hier, on est tombé avec un Nunu quand je jouais avec Kameto, qui était genre. Il nous sortait, non, je peux pas. Il était niveau 4, il disait, non, je peux pas solo Drake. On l'a regardé, on a fait, mais. No range. J'ai pas la range, je pense, pour flash. C'est vraiment fort, hein, je trouve. T'as une mobilité. J'avais plus de tunnel. T'as une mobilité assez indécente. Avec ce champion. Et ouais, du coup, Lunu nous a mis un peu au fond. Parce que Lunu, je trouve que c'est nul en termes de dégâts. C'est nul en termes de dégâts, Lunu, je trouve. Parce que, en gros, bah, sur un gank, le mec va faire quoi? Il va mettre un E à 250, à 200 de dégâts. Et encore 200, c'est si. Il met 70 t'es sur un gank. B je pense, ça rien de grid. On peut back, on peut back. Y'a Liu Biu Domingo. Ah, c'est un russe. Liu Biu ça veut dire je t'aime je crois, si je dis pas de bêtises. Ah c'est déjà fait, clique sur suivre. Ah du coup tu devais pas parler à moi. Mais oui,
Bien dit, tu peux cliquer sur suivre pour follow la chaîne. En fait, je mets pas assez de tunnels du tout. Je suis pas bon là-dessus. Attends, je vais juste regarder qu'ils le fassent pas. Ah mais ils le font. Ah putain, j'ai pas pu l'avoir. J'ai mal smite. J'ai mal smite. Petite erreur de la part de la team là qui était pas du tout présente. Pour le coup, après j'étais pas très bien non plus. Mais là pour le coup, c'est sur un timing back. Je tentais le style, j'ai go à 1200, c'était un peu, je pensais qu'ils allaient un peu le burst. Parfois en solo queue, tu vois, ils tentent de burst. Après, je suis quand même bien mieux que le Olaf. Olaf ayant... En gros, il a ses deux items. Moi, j'ai ses deux items, plus ténacité. Ah, mais... En gros, là, t'es en train de me dire que je lui mets un Solari à Olaf. Plus descendre à l'émerc... Ah, je pense qu'il va back, il va acheter beaucoup. Tu sais pas smite. Non, je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Après, ça reste plus compliqué de style que de secure, tu vois. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant l'itemisation qui a changé. Enfin, intéressant, non, parce que c'est totalement brain dead. On va pas se mentir. Mais qui a changé vraiment pour passer de l'item AD pour ensuite partir tanky à désormais l'item tanky pour ensuite partir AD, quoi. Help, 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 help. Il va me souiller. Frustrant, c'est que tu vois pas en fait. J'ai pas de smite. Hein. Ah, j'ai pas de smite, c'est un peu con ça. On aura donné du coup. Il fait mal elle. Est-ce que je peux. 40 sec, don't fight. Ok. Ok, je vais back là. Pas trop intérêt à rester, je t'ai mis de life. J'ai pris beaucoup de pocs gratuits. Mais j'ai aucun tunnel en fait sur la map. Je t'ai follow Domingo. C'est très gentil, je connais Aldariath. Oui, je connais Aldariath. Aldariathès. Oh. Oh putain, le positionnement. Parce que j'avoue que moi je prends du poc, mais j'ai 3000 HP. Allez, c'est moi en frontline, ça va être chaud quand même. Parce qu'il y a Vlad en face. Après, on a un Azir. Le problème c'est que je peux pas compter sur la Sivir. Si genre Azir meurt, c'est lose. J'arrive jamais à poke avec ça. Oh, heureusement qu'il y a ma coque bloque. Hein. Oh, heureusement putain que j'ai pas pu le faire ce truc. Hein. Je serais retrouvé au milieu de tout le monde. Faut juste poke la Syndra en fait. Oh les dégâts. Ok, on va le forcer à ulti. Nice. Nice, bien joué ça. On va focus les Drake. Ça va être notre quatrième Drake. J'ai vraiment pas envie de tenter la game sur juste un push ou quoi. On assure les Drake. Le cinquième égale free win, vous le savez. Autant la jouer safe. Est-ce que je ferai une game ouverte? Ouais. Pour finir la soirée, je ferai une game avec vous. Ok, nice. J'essaie de mettre un peu de tunnel chez eux aussi. Mettre une certaine pression. Elle a quoi, Sivir? Sivir a un item. Waouh. C'est chaud quand même. On lui laisse un peu. On lui laisse un peu les petits creeps, ça doit être wardé là. Ok, on essaie de déward un peu. Le Azir est super bien, il fait que farm. Ok, parfait. J'ai quand, je vais avoir ça. On va prendre un peu d'armure aussi, j'ai 98 armures, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je prends aussi cher aussi. Sur l'ego là. Attends, on va mettre juste un petit tunnel de plus. Parfait, donc dans 5 minutes on a le 5ème Drake. Et donc c'est la game. Focus les Drake est vraiment important. Alors je vois pas si on trouve intérêt sur le chat. Je tiens à vous faire vivre. Oh, Monsieur Sabado, porte bien ton nom.
Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En gros, Domingo, Sabado. Is Build Order, Didigo, Cleaver et... Ouais. Ah, c'est chaud, j'ai eu peur en fait de eux, parce que s'ils étaient 5, on était vraiment que 4, tu vois, Kenan n'était pas là. Je suis dit autant de pas fro la game. Ah mais c'est un anglais, c'est vraiment un anglais, Volgy? Non, c'est un français. Je t'appelle Volgy95, pourquoi tu parles... Bon, si t'es français, en gros, j'ai fait l'item tanky. Mais qu'est-ce qu'il fout? Y'a pas Kenan, y'a pas Kenan en fait. On le tue en fait, on le tue. Y'a Vlad. Je shield. Essaye de le bump à max. Putain, je voulais bump l'autre. T'as une chatte. Nice, le red buff. Vous vous disiez peut-être pourquoi il l'a pas laissé à Sivir. Pour ça. Eh ouais, mon pote. Ouais, je suis parti item tanky, puis ensuite... c'est trop facile. Enfin, la jungle, c'est vraiment trop bien, Rek'Sai. Hein. Honnêtement, c'est génial, mon pote. Genre, la jungle, Rek'Sai, c'est trop bien. Je suis parti donc directement item tanky, puis ensuite j'ai fait le Black Cleaver. Le Black Cleaver qui nous a permis de prendre vraiment un max de... un max de dégâts avec en même temps des PV. Ça c'est top. MDR mec, je me suis abonné, ça te dérange pas? Ah non, ça me dérange pas trop si tu t'es abonné à la chaîne. C'est plutôt cool, merci frérot. C'est plutôt une bonne chose. Mais honnêtement ouais, comme je disais, excuse-moi parce que j'étais un peu concentré sur la game. Assez intéressant, donc les maîtrises, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur 100% plagiat. Et en rune aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez check. Donc vraiment les classiques, tu vas chercher vitesse d'attaque, tu vas chercher un petit peu tous les points aussi qui te font gagner de la vie ou quoi. Mais 7-3-17, donc on est présent sur pas mal de kills, on gagne un petit plus 21. Qui est... Je suis une petite frappe encore, hein, je suis une petite salope avec Rek'Sai, rien de ouf. J'avais pas vu, mais je suis en positif en fait, en victoire-défaite, parce que sur LoL Nexus, ça m'affiche en négatif. Mais je suis encore en positif, donc c'est plutôt cool. On est 4500 sur le stream, vous êtes vraiment énormément en ce moment. Merci à tous. Vous pouvez bien évidemment télécharger l'extension Google Chrome pour savoir quand je suis en live. Je la mets dans la description des vidéos YouTube, n'hésitez pas à check à chaque fois. Sinon vous allez sur domingo.tv dans extension. L'extension Mozilla qui va arriver normalement ce soir, c'est pas encore sûr. Mais voilà quoi, il y a de quoi un petit peu se régaler. Je vais aller voir les dégâts vite fait, je pense pas que j'ai fait beaucoup de dégâts. Ouais, j'ai fait 15k, ce qui au final est quand même beaucoup. Quatrième de dégâts sur la team, c'est pas mal. Quatrième. Oh Dame. Ah oui, c'est vraiment fort quoi. Genre j'étais en 40k avec ce build. Et à la fois je fais des dégâts. On a fait 13k5 gold, autant qu'Azir. Donc honnêtement pas mal du tout cette petite game. J'espère que vous avez bien kiffé les potes. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur Facebook, Twitter. Les liens vont apparaître sur le chat. Sur YouTube aussi, on est de plus en plus nombreux. Bientôt 200 000, ça ferait plaisir. On y arrivera un jour, on est à combien? On est à 184 962, j'actualise, 184 991, 9 personnes et on sera à 185 000. Ça c'est assez énorme. Vous êtes de plus en plus nombreux, je sais pas trop quoi dire, genre à part merci. Comme je disais, j'essaie de toujours être présent, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai un peu eu du mal à m'exprimer parce que j'ai été un peu piqué au vif. J'essaie de toujours être présent quand je lis sur le chat, les messages, etc. Sur YouTube, j'essaie de répondre aux commentaires parce que je pense aussi aux gens qui sont pas directement sur le live mais qui voient en rediff. Donc j'essaie un peu de communiquer avec les gens qui peuvent pas être là direct. Et voilà, donc j'essaie de toujours être là pour vous, même si c'est parfois difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, donc beaucoup de messages. Donc forcément, pas forcément la chance de toujours répondre. On peut pas voir ton stream sur Twitch directement sur ton site. Si. Bah enfin, moi j'ai juste embed le truc Twitch sur ça. Et non, j'arrête pas, on va continuer, bien évidemment, on va continuer. Je vais cut la VOD sur YouTube ici. Je pense que je mettrai sur YouTube parce que Rek'Sai, ça fait longtemps que je l'ai pas joué et tout. Donc ça diversifie, ça fait plaisir. Mais voilà, mes petits amours. Allez.